like a baritone. Just far from sopranos, you haven't grown. Cause everybody talks tough in a bad. Salut tout le monde, bienvenue dans ce magnifique stade où les conditions semblent réunies pour qu'on ait vraiment un bon match. C'est Hervé Matou, bien sûr, vous vous en doutiez un petit peu et vous vous doutez également qu'à mes côtés il y a Pierre Ménès. Nous allons assister à une rencontre de championnat, une très belle rencontre, un très gros rendez-vous en perspective, Pierre. Ouais Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. L'équipe à domicile, dont voici la composition. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disent les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. On découvre ensemble la composition de l'équipe visiteuse. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Le match qui démarre maintenant. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Passe directement dans les pieds de l'adversaire. Ouais, ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce ballon. Et oui, bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Allez, peut-être une bonne occasion. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ils cherchent une ouverture, bien sûr. Ils cherchent des solutions, là. Et ils repoussent le tir. Il faut trouver une option disponible. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Le ballon qui a été contré. En haut de l'air pour la défense avec ce dégagement. On cherche la faille dans la défense adverse. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Ouais, une, deux. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, ils ont vraiment la main mise sur le ballon et ils le montrent. Ah ouais, le ballon qui circule bien. Ah, il garde magnifiquement le ballon. Hein. Très belle séance de conservation. Ah, ils ont peut-être voulu trop en faire là. Il faut trouver une ouverture en position idéale pour centrer. Allez, c'est pour un partenaire au premier poteau.
Et le centre bien négocié par le gardien. Il cherche une solution. Il essaye de trouver la faille. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Gray John Kier. Ah non, pas de souci, hein, cette tête pour le gardien. Manque de conviction peut-être. Il faut qu'il centre là. Ah, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Oh, il va filer au but. Ah, il se pose pas de questions. Long dégagement. Burton cherche une solution là. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Le ballon sort, ça va être une touche. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il porte le ballon. Oh, c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui. Ouais, il s'est pas embêté avec la relance. Hein. Boum. Ils vont pouvoir jouer la touche. On assiste à vraiment un regroupement défensif. Hein. C'est très net. Chercher une ouverture, bien sûr. Ils cherchent des solutions, là. Il faut trouver une option disponible. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Burton. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Il faut trouver une option disponible. L'équipe adverse impuissante face à cette séquence de possession de balle. Il va pouvoir centrer. Derrière, il continue d'avancer. Et ce centre qui est capté par le gardien. Change. On cherche la faille dans la défense adverse. Un centre contré par le défenseur. Bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. L'action qui se poursuit. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Qui est rendu au camp adverse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est bien placé, il peut centrer. Il faut trouver une ouverture. On cherche une solution. Un ballon pour l'adversaire. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. Tranquillement, hein, pour le gardien, ce centre. Belle prise de balle. Ah, c'est un ballon perdu. Il avance encore. C'est parti dans la surface. Le gardien qui repousse, attention! Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Ouais, l'arbitre a sifflé hors-jeu. Hors-jeu.
Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Marseille. Ils construisent, ils font tourner. Allez, après tout, pourquoi pas. Ouais, ça, c'est bien taclé. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Il cherche une solution, là. Il cherche des solutions, là. Ah non, ballon perdu. La passe est interceptée. Ouais, il poursuit son action. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Il essaye de trouver la faille. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Berton. Tir. Le gardien qui nous régale encore avec cette parade. Attention à ce corner. On cherche la faille dans la défense adverse. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh oui, ça entre. Et ce but qui sera refusé pour un hors-jeu. Absolument, on voit l'arbitre assistant qui lève son drapeau. Et on revoit cette action, ce hors-jeu. Le drapeau s'est levé, en effet, le but est refusé. On jouera 2 minutes de temps additionnel. On assiste à vraiment un regroupement défensif, hein. C'est très net. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Oula, là, pour reprendre ce ballon, il fallait mesurer minimum 3m10. On est en train de remonter le terrain. En position idéale pour centrer. C'est pas appliqué, il s'est pas appliqué. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match, toujours pas de but, 0-0. Et on vient d'assister à un très beau bras de fer, hein, au cours de cette première période. Les deux équipes font jeu égal, le score est serré. Et je pense que ça va encore plus s'animer autour des vestiaires. Le match qui démarre maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? La seconde période de ce match. Et on se demande bien qui va pouvoir l'emporter. C'est très équilibré pour l'instant. Personne dans le couloir pour gêner cette action. John Kay, il faut trouver une ouverture. Est-ce qu'il va centrer ? Le centre était bon, mais le danger est écarté. Alors, c'est un ballon perdu bêtement, ça. Il gagne du terrain. Et contre ce ballon.
Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Allez, le centre maintenant. Le centre sur le défenseur. Ouais, coup franc évident, l'arbitre l'a bien vu. Il s'en sort bien avec ce simple petit sermon de l'arbitre. Oui, attention à ne pas trop provoquer l'arbitre maintenant. Hein. Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. Ouais, le ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Allez, à lui de s'appliquer, il faut mettre l'adversaire en danger. Graydon qui est. Le danger ne viendra pas en tout cas de cette tête. Ouais, ça passe loin du cadre quand même. Qui est rendu au camp adverse. Legend K. Il faut être costaud hein, pour protéger son ballon comme il le fait. Il avance balle au pied. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. La bonne protection du ballon là, bien campé sur ses jambes. Ouais, jolie conservation du ballon. Alors, le ballon qui est dégagé. La touche à proximité de la surface. Je crois qu'on va assister à un changement, Pierre, maintenant. Ouais, c'est une bonne nouvelle pour le remplaçant qui va gagner un peu en temps de jeu. Bonne intervention parfaite, hein. Bonne anticipation. Oh, il peut centrer. Alors, c'est récupéré par la défense. C'est une bonne espace et c'est cadeau. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Ah, il a pris sa chance de loin hein, sur cette frappe. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Il progresse. Centre peut-être, allez. Il essaye de trouver la faille. Il prend sa chance. Ouais, le coup de sifflet de l'arbitre, il y avait hors-jeu. On cherche des solutions là. Les passes qui sont très soignées, ça circule très bien. J'ai parlé un petit peu vite, je crois. Sinon, c'est maladroit. Hein. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? En position idéale pour centrer.
Le gardien, c'est pas fini. Il faut trouver une option disponible. Ça reste dangereux, mais il y a quand même du monde. Il faut trouver une ouverture. Chercher une ouverture, bien sûr. En retrait, dans l'axe, c'est dangereux. Bon, attention, c'est pas fini. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression, comme quoi ça se joue pas grand-chose parfois. Hein. Allez, il faut centrer. Le centre, mais non, il est contré. Visiblement, on cherche la brèche en faisant tourner. On cherche une solution là. Allez, prends sa chance. C'est sans problème pour le gardien. Ouais, c'est assez net sur ces images. Passer le milieu du terrain, cette équipe ne fait plus grand chose de propre. Pourtant, a priori, c'est pas la muraille de Chine en face. Hein. Ouais, il protège son ballon. On cherche la faille dans la défense adverse. On cherche une solution. Il essaye de trouver la faille. Attention, le centre. Ça tourne bien hein, en ce moment, ce ballon. Le ballon qui sort. Ça sera donc une sortie de but. L'entraîneur qui a décidé de faire un changement. Ouais, ça s'agite depuis quelques minutes sur le banc de touche. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. On s'approche du but adverse. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Regen Kay. Qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche un coéquipier au premier poteau. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Oh là, un petit peu ambitieuse là, peut-être la volée. Ouais, alors, tu vois, là tu es poli. En fait, il s'est complètement déchiré. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Il protège bien son ballon. Ouais, très bonne intervention défensive, bien joué de sa part. Non, elle a été interceptée cette passe. Et c'est tout un stade ou presque qui pousse son équipe vers le but adverse. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On écarte le jeu. Ah, le gardien qui est transféré à. Assuré, quitte à concéder un corner, être sûr que ce ballon passe bien au-dessus de la transversale. Ah, il est bien parti ce corner. Un corner récupéré facilement par la défense. Le ballon qui est sorti des limites du terrain, ça va être un renvoi en 5m50.
Et l'attaque se termine, ballon dégagé. Chercher une ouverture, bien sûr. Il cherche des solutions là. Il faut trouver une ouverture. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Il cherche une solution là. Derrière, il continue d'avancer. Et ce centre qui est capté par le gardien. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Il faut qu'il centre là. Il glisse ce ballon en profondeur. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Allez, ça part devant le match qui est peut-être en train de se jouer. On va maintenant assister à un changement. Ah, c'était la meilleure chose à faire, en tout cas, c'est ce que pense l'entraîneur. Cherche là. Attention à la frappe. Ah, dommage, hein. Il y avait l'occasion vraiment de prendre l'avantage. Ah, il a réfléchi, il a hésité, l'arbitre. Et bon, bah, au final, il s'est décidé. Oui, carton jaune. Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. Ouais, le ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Allez, il faut tout donner sur ce ballon, il faut monter. Il essaye de trouver la faille. Il faut trouver l'option disponible. Très bonne intervention, il lui a pris la balle. Ah, les deux équipes se sont vraiment rendues coup pour coup, mais elles restent à égalité au bout de ces 90 minutes. Le match qui démarre maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Burton. Tire. Le gardien qui nous régale encore avec cette parade. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh oui, ça rentre ! Et ce but qui sera refusé. Dragon pied. Le danger ne viendra pas en tout cas de cette tête. Ouais, ça passe loin du cadre quand même. On cherche la faille. Attention à la frappe.